Alors, concernant la demande d'aide au logement, donc le droit a été calculé, vous avez un droit à 322,34 €. Tiffany ne travaille pas, elle vit du RSA et elle a besoin de ses allocations logement pour boucler son budget. Mon conjoint, il touche pas énormément, il touche que 300 €. C'est pas beaucoup. Donc, ça m'aide beaucoup quand même, quoi. Ces aides au logement, considérées comme les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté, ont été créées au départ pour faire face à une situation bien particulière. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la France affronte une crise du logement sans précédent. Le gouvernement doit trouver une réponse immédiate aux cas les plus préoccupants. Les familles avec enfants qui vivent parfois dans des bidonvilles. La CAF distribue les premières aides au logement. Elle n'a pas encore de bâtiment en dur. Elle sillonne les villes avec ses camions. Et le paiement des aides se fait alors de la main à la main. Personnage familier, le payeur des allocations familiales traduit l'aide apportée à chaque foyer pour élever ses enfants. Il faut attendre les années 70 pour que le reste de la population ait le droit d'en bénéficier. Les couples sans enfants, les retraités ou encore les étudiants. Progressivement, elle est devenue la première aide sociale. Dans le département du Nord, le plus peuplé et l'un des plus pauvres de France, la CAF est très sollicitée. Des centaines d'allocataires s'y rendent tous les jours. Elle verse 3 milliards d'euros de prestations sociales chaque année, un record national. De cette manière, dans le Nord, la gestion des allocations logement constitue l'activité principale des 1600 agents de la CAF, loin devant les dossiers d'allocation familiale ou de RSA. Alors, comment cette aide est-elle calculée? Cela dépend des revenus du foyer ainsi que de la composition de la famille. Pour bénéficier de l'aide au logement, un allocataire doit percevoir des revenus inférieurs au SMIC, soit 1 128 € par mois. Plus ses revenus sont bas, plus les allocations versées par la CAF sont importantes. Et c'est pareil pour le nombre d'enfants. Plus vous en avez, plus l'aide augmente. Alors là, c'est un couple avec un enfant à charge. Ils sont sans activité, bénéficiaires d'un minimum social, à savoir l'allocation adulte handicapé. Et donc, visiblement, ouvre droit à l'aide au logement. Les allocataires touchent en moyenne 220 € par mois. Mais ce foyer qui vit avec des allocations adultes handicapés aura droit à plus. Le loyer versé par les allocataires est de 475 € hors charge. Et ils ouvrent droit à un montant de 377,08 € d'aide au logement, donc à compter du mois de mars. La CAF va prendre en charge 80% de leur loyer. Et ça peut monter encore plus haut. Avec les plus fragiles, elle peut payer l'intégralité du loyer. Et à notre grande surprise, parfois même plus. Dans le département du Nord, on les compte par centaines, surtout dans le parc HLM. Pas moins de 900 locataires dans cette situation, rien que chez Partenor, le plus gros bailleur public du département. La CAF leur verse un peu plus que le loyer. Ces sommes en trop représentent au total 16 000 € par mois. Mais rien d'anormal aux yeux de Christophe Bécuve, le directeur général de Partenor. Cela est même justifié, car ces locataires sont particulièrement démunis. On a le cas d'une famille qui habite un logement de type 6, donc un grand logement, qui, elle, a un surplus de 75 €. Le loyer n'est qu'une partie du coût du logement. Elle a effectivement encore à acquitter l'ensemble des charges que nous ne lui avons pas facturées, c'est-à-dire l'eau, le chauffage, puisque c'est un logement individuel, donc les charges qu'elle aura à payer pour pouvoir vivre normalement dans son logement. C'est en effet prévu par la CAF. Les aides au logement ne servent pas qu'à financer le loyer. Elles doivent aussi aider à payer les charges. Pour les familles qui n'ont vraiment aucun revenu, par définition, si elles n'ont pas ce petit morceau d'aide en plus, elles ne peuvent pas faire face à leurs dépenses. Pour certains, ces aides au logement peuvent représenter jusqu'à 700 € par mois.